Bien, bonjour, bonjour Pascal, Pascal Bonjour. Marty, fondateur d'ODC, Optimal Data Center. Donc, peut-être nous rappeler très vite qui est ODC, Pascal, et qui tu es? Oui, donc je m'occupe de cette entreprise dont c'est une initiative et une idée que j'ai eue il y a une quinzaine d'années maintenant autour d'une observation, puisque je ne venais pas de ce milieu-là, mais j'ai été présenté aux bonnes personnes, on dirait qu'ils se sont confiés à moi. À savoir que, et on l'abordera peut-être après par tes questions, Yves, mais ces personnes-là qui géraient il y a une quinzaine d'années des data centers propriétaires, qui avaient l'âge de leurs artères, je parle des data centers, pas des exploitants, eh bien, m'ont fait part un peu d'un désarroi parce qu'ils évoluaient. Au milieu d'un, avec des attentes pour gérer un environnement, on le sait, évidemment critique, hein, avec des lots et beaucoup d'interrelations entre ces lots techniques. Sauf qu'eux-mêmes se sentaient souvent très seuls, alors accompagnés évidemment de leurs mainteneurs, hein, historiquement, mainteneurs très utiles à leur côté pour essayer de leur rendre moins hermétiques les deux disciplines majeures que sont l'ELEC et la clim. Mais à côté de ça, tout ce qui était modernisation, rénovation, remise en conformité, optimisation, on commençait à parler d'optimisation aussi, notamment au niveau énergétique un petit peu, de moins le perdre à l'époque le moins de froid possible en tout cas. Toutes ces choses-là n'étaient pas forcément adressées par leurs mainteneurs. Ils n'avaient pas forcément envie de mettre leur bureau d'études sur des problèmes quotidiens de cet ordre-là et est apparu. Pour moi, une sorte de, j'allais dire, de boulevard laissé un peu vacant en termes d'accompagnement sur tous les sujets adressés par l'exploitation. Donc, sous les conseils de mes pairs, j'ai tiré le fil pour remonter la pelote et puis je me suis rendu compte que, de fait, il y avait beaucoup de choses à adresser. Et petit à petit, à force d'adresser des cas particuliers, puisque l'exploitation, ce ne sont que des cas particuliers, le catalogue de l'offre ODC, le portfolio, s'est construit tout naturellement, en me disant que tous les problèmes rencontrés par un exploitant à un point A de la France pouvaient profiter juste après à un autre exploitant qui avait rencontré, pourquoi pas, peu ou prou, les mêmes sujets adressés. Et donc ainsi s'est structurée lentement mais sûrement une offre. Qui a été adopté, qui a été adopté avec un très bon accueil de la part de ce marché des exploitants de data centers propriétaires pour en arriver aujourd'hui à adresser pas mal de métiers dont on va reparler et surtout expliquer que le besoin qui s'est fait sentir par le marché de mieux nous identifier et de mieux pouvoir nous reconnaître sur ce marché. Alors, merci Pascal pour cette présentation, ce rappel. Moi, j'aime rappeler pour les personnes qui ne te connaissent pas que tu es à l'origine d'un superbe catalogue de tous les produits nécessaires au bon fonctionnement du data center et de ses équipes et que l'on ne peut pas trouver chez l'ensemble des équipementiers parce qu'eux sont sur leur gamme de produits, alors que en opération, sur le run, les techniciens ont besoin d'outils bien spécifiques et qu'ils les recherchent et c'est ce que l'on trouve chez toi. Mais tu viens de franchir une étape aujourd'hui, puisque l'annonce a été faite la semaine dernière par rapport à la captation de cette vidéo, d'une nouvelle approche, qui n'est pas réellement une nouvelle approche d'ailleurs, mais d'un concept hein, qui va permettre d'aller plus loin sur le run. Et c'est ça, je pense, qui est important et qui nous réunit aujourd'hui, donc qui est l'AME, l'assistance à maîtrise d'exploitation. Voilà. Alors, c'est une bien grande expression. Explique-nous, Pascal. Le mot est lâché. Donc en fait, un peu d'histoire. Je rembobine un tout petit peu le film, si tu me le permets. Pourquoi en gros, réinventer un acronyme alors qu'on connaît déjà des acronymes bien connus, notamment l'AME, etc. L'AMO, pardon, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, pourquoi en arriver là aujourd'hui? Bien, tout simplement, il y a une petite histoire qui accompagne cela, c'est que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Tous les 3 ou 4 ans, je réunis un certain nombre de mes plus gros clients
ou plus fidèles ou plus anciens clients. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de notion de taille là-dedans. L'idée, c'est simplement qu'ils puissent, entre guillemets, se lâcher pour qu'on réinvente ensemble l'ODC qu'ils aimeraient avoir sur leur bureau, le catalogue des choses qu'ils aimeraient trouver. C'est le meilleur moyen d'être en prise directe avec le marché. Alors, c'est parfois dangereux, hein, parce qu'on a des fois des choses qu'on n'est pas forcément venu chercher, et puis il y a beaucoup de remises en question. Mais la structure légère et agile d'ODC fait qu'on ne va pas se priver de cet outil quand on peut, en effet, se pluguer directement avec les attentes. Donc, je me suis de nouveau frotté à cet exercice à l'entrée de l'été, avec 5 de mes plus gros et fidèles clients. Donc, et ce qui en est ressorti, ben justement, c'était encore une fois pas tellement ce qu'on était venu chercher, puisque l'idée, c'était mettons à plat l'offre ODC. À la limite, mettons à la poubelle tout ce qui n'a plus lieu d'être ou ce dont, qui est un petit peu du superflu pour vous, et concentrons-nous sur les fondamentaux et dites-nous surtout ce qui vous manque. Et finalement, ce qui en est ressorti, c'est que c'était plutôt un satisfecit. Je dirais que j'ai été content de ce côté-là parce que l'offre est bien calibrée, l'offre a été jugée bien calibrée et répondant complètement aux besoins, avec une appréciation particulière pour la réactivité et le sur-mesure qui font l'ADN d'ODC depuis le départ. Donc là-dessus, c'était plutôt sympathique à entendre. Par contre, ce qui l'a été tout autant, mais qui a été plus la remise en question qui nous amène aujourd'hui à cet échange, c'est que clairement, on m'a dit, ben oui, mais d'une part, ODC devrait beaucoup plus revendiquer ce qu'il mérite, c'est-à-dire le fait d'être positionné en tant qu'acteur majeur dans l'optimisation énergétique. Donc, et c'est vrai que 70% de notre offre est orientée depuis 15 ans là-dessus, hein, sans attendre les économies d'énergie et tout ce dont on parle aujourd'hui. Hein, on s'est toujours spécialisé beaucoup dans cette optimisation. Et le deuxième aspect plus fondamental, c'est de dire, ben voilà, il nous faut, nous, en tant que grosse structure, lorsqu'on a besoin de vous identifier auprès ou faire passer des budgets, hein, tout simplement, des investissements auprès de notre DSI, auprès de notre direction des achats, de notre direction générale, suivant les structures, on a besoin, nous, d'acteurs clairement identifiés sur le marché. Et ODC, ben, à la fois, vous faites plein de choses intéressantes pour nous, vous adressez plein de sujets très pertinents. Mais qui êtes-vous vraiment ? Vous n'êtes pas vraiment un bureau d'études, vous n'êtes même pas du tout un bureau d'études, vous n'êtes pas un contractant général, vous n'êtes pas une entreprise de travaux à proprement parler, vous n'êtes pas non plus un fabricant. Donc, qu'est-ce que vous êtes ? Et là, je dis oui, en fait, ODC, depuis 15 ans, est surtout un facilitateur. Mais facilitateur, ce n'est pas vraiment une case qui répond aux attentes du marché. Donc, l'idée a été d'utiliser un été studieux pour essayer de trouver quelque chose qui puisse à la fois être mnémotechnique et facilement identifiable sur le marché, facile à taguer, comme on dit maintenant, sur le marché, et en même temps, quelque chose qui résume parfaitement ce que l'on fait. Et qu'est-ce que l'on fait de mieux chez ODC que d'être positionné auprès de l'exploitant et de lui apporter non seulement des conseils, des outils, des diagnostics, des assistances techniques, mais aussi des travaux sur mesure, mais aussi et enfin des accessoires de la formation, voire même l'appartenance au club OPEX que fédère aussi ODC, qui est un outil supplémentaire. Et tout ça rentre finalement dans une grande famille d'accompagnement que j'ai qualifiée d'assistance, parce que finalement tout ça, c'est venir en aide, assister l'exploitant, et tout a pris sens d'un seul coup. L'histoire s'est écrite très naturellement en disant, en fait, ODC continue tel quel, mais va pouvoir être dans le monde des géants dans lequel on évolue, puisque notre marché est constitué de très très gros acteurs. ODC va pouvoir mettre en avant son agilité au service d'une appellation et d'un acronyme qui est donc l'assistance à maîtrise d'exploitation. Donc voilà, en gros, on faisait comme Monsieur Jourdain, on en faisait déjà, mais sans le savoir, sauf que maintenant on peut mettre une étiquette, on peut mettre un nom et on peut ranger ODC finalement dans une place d'acteur revendiqué et facilement reconnaissable sur cet écosystème qui est le data center. Alors, je résume. Les clients d'ODC tout à fait satisfaits du catalogue proposé et des services accomplis souhaitaient avoir une meilleure identité
de ce que propose ODC, qui correspond à un vrai besoin, visibilité, mais tout à fait. Donc c'est mal ça. Identifié. Mal identifié. L'approche donc assistance à maîtrise d'exploitation, c'est un concept, mais qui s'appuie sur l'offre d'ODC, et, mais qui va plus loin. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut rappeler, parce que si on est sur, on met un nom, mais on continue de faire la même chose, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. C'est ce que tu fais déjà avec tes équipes. Mais là, ça va plus loin, et ça n'est pas en plus, et c'est ce qui est sans doute remarquable dans cette nouvelle offre, c'est qu'elle n'est pas en, elle ne vient pas en concurrence avec les acteurs actuels du marché. Surtout pas. Elle vient au contraire en, en complément. Alors surtout là, pas. Je pense qu'il faut nous expliquer un peu plus dans le détail comment ça fonctionne. Alors en effet, il y a deux choses à cette annonce d'aujourd'hui. La première, la plus importante néanmoins, c'est que donc ODC continue son métier plus que jamais, mais en étant donc maintenant, on va dire, plus facilement reconnaissable, identifiable sous une fonction majeure, mais souvent oubliée, trop souvent oubliée sur le, l'écosystème data center, qui est donc d'être un acteur majeur d'accompagnement du run, de l'exploitation. ODC intervient en effet très peu, volontairement, parce qu'il y a déjà tellement de gros acteurs qui le font très bien, sur les le design and build, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la construction neuve, voire les grands travaux de rénovation, réhabilitation. Je dirais que ce n'est pas notre place, parce que ben voilà, il faut avoir, comme on dit, il faut avoir une structure très particulière avec des investissements et des équipes à mettre en face spécifiques pour ce genre de projet. Rentrer dans, dans le mode exploitation et run, en effet, on le fait déjà. Alors, ce qui va se passer pour donner plus de corps à cette identification marché, c'est qu'en effet, ODC travaille et pour les prochaines semaines, va proposer sur le marché une offre qui va aller plus loin, c'est d'embarquer tout l'ODC d'aujourd'hui, hein, tous les travaux, design, etc., dans un accompagnement sur mesure, c'est-à-dire en gros de faire un peu de l'ODC inside, c'est-à-dire d'avoir un chargé d'affaires ou un, une personne qui est mandatée par ODC pour être aux côtés de l'exploitant, mais en présence, en présentiel, je dirais, c'est-à-dire vraiment en régie, pourquoi pas, avec des modèles de régie, de ticketing, enfin, ou d'autres, d'autres types d'accompagnement que l'on connaît bien, en mission donc permanente, sous des formats à définir et sur mesure toujours, qui peuvent être d'être présent une fois par semaine, d'être là en comité de pilotage, d'être là sur une phase très intense, par exemple, de remise à plat des procédures, des process, du workflow, pour pouvoir réécrire des manières de travailler, pour se rapprocher des référentiels de l'exploitation, et ensuite déclencher toute la machine ODC derrière, c'est-à-dire pouvoir dérouler le film, qui est de pouvoir accessoiriser ce data center, pouvoir fournir des équipements plus pratiques dans la salle pour le quotidien de l'exploitant, pouvoir lui dispenser des formations pour l'aider à se perfectionner, lui et ses équipes, et pouvoir aussi, bien sûr, effectuer de manière très ponctuelle des travaux de rénovation, sécurisation, réhabilitation de l'existant. Donc, deux volets pour synthétiser, un positionnement réaffirmé sur toute cette offre existante en tant qu'AME et une offre d'AME personnalisée à demeure, à domicile, si je puis dire, chez, le, chez nos clients. Quels sont les apports de valeur d'ODC aux exploitants par rapport à cette offre? Est-ce qu'on peut en attendre, par exemple, un ROI, même si c'est un bien gros mot parfois? Ben, en fait, l'idée, c'est, de, c'est déjà de travailler dans la sérénité. Alors, le ROI, c'est difficile à mesurer dans la sérénité, mais je vais illustrer ce que, mes propos. Aujourd'hui, beaucoup d'exploitants qu'on rencontre, je parle encore une fois de l'exploitation dite propriétaire sur les data centers gérés en propre. On va mettre de côté les hébergeurs dont c'est le métier de faire de l'exploitation. Donc, je vois difficilement comment ODC dans la mission d'accompagnement à demeure va être de quelconque utilité auprès de ces acteurs-là. Mais si on s'adresse à des exploitants donc qui gèrent de la, leur criticité et leur production informatique, là, cet accompagnement prend tout son sens parce qu'on va, on va leur permettre de passer d'un mode aujourd'hui souvent curatif, un peu mode pompier parfois, où on subit un peu plus les événements qu'on peut les anticiper, à justement un mode préventif, prédictif, voire prédictif, hein, où on va
piloter l'exploitation et assurer la gouvernance de cet outil de production. Donc le ROI, finalement, il est fondu un petit peu partout là-dedans, mais on sait tous combien on gagne de l'argent à préparer les choses plutôt et à les planifier plutôt qu'à les subir. Ça coûte souvent beaucoup moins cher. Donc voilà l'idée maîtresse qui va fédérer, qui fédère aujourd'hui déjà ODC depuis longtemps, mais qui va continuer à le faire avec une proximité encore différente. Alors, je vais retenir, si tu me permets, deux, trois petites choses par rapport à cette nouvelle offre. Nous, en tant que Data Center Magazine, comme tu le sais, Pascal, on a un lectorat qui est assez diversifié, mais qui touche d'un côté tous ceux qui conçoivent et qui construisent les data centers. Et là, il y a énormément d'actualités, énormément d'informations qui circulent. Et puis, parce qu'on est aussi dans le domaine des nouveautés, donc on suit les innovations, on suit l'évolution des projets, etc. Et puis, il y a 90% de la vie du data center qui est en fait celle des exploitants, c'est-à-dire celle que tu as clairement citée, c'est le run, c'est l'exploitation. Exactement. Et donc, ce qui est extrêmement positif dans cette nouvelle annonce que tu fais, c'est que cette partie run où finalement les exploitants étaient assez seuls et devaient un peu se débrouiller parce qu'on n'est plus dans les gros projets avec beaucoup d'argent, on est plutôt dans le quotidien où il faut se débrouiller. Et à ce titre, donc, ODC va aller plus loin, enfin, va plus loin dès aujourd'hui avec une offre d'accompagnement et de sensibilisation de ces exploitants qui, en même temps, s'appuient sur le catalogue pour se faire également concrète avec des bons outils. Alors, je voudrais apporter une précision très importante sur, en effet, l'arrivée de cette offre d'accompagnement de proximité, on va dire. C'est qu'elle ne vient en effet pas du tout, comme tu le disais tout à l'heure, en concurrence avec qui ou quoi que ce soit. J'en veux même pour preuve que sur certains accompagnements que nous prodiguons déjà sans offre, hein, de manière informelle, nous les prodiguons à des bureaux d'études sur des choses ponctuelles avec, par exemple, beaucoup d'études CFD que nous réalisons pour de grands bureaux d'études prestigieux dans la matière. Et puis également, nous réalisons aujourd'hui des accompagnements, par exemple des aides à la prise en charge à l'origine de contrats ou bien des aides pour le volet optimisation énergétique auprès des mainteneurs, auprès des grands mainteneurs. Alors de plus en plus, d'ailleurs, les SLA, les obligations contractuelles des mainteneurs, ont évolué, ont glissé vers de plus en plus de responsabilités, ce qui est bien d'ailleurs la preuve que le marché a besoin de cet accompagnement. Et aujourd'hui, le mainteneur, et c'est très bien comme ça, parce qu'ils ont les structures et les équipes en permanence, est basé au plus proche de l'exploitant puisqu'il y est à demeure. Hein. La plupart du temps, il a plusieurs personnes qui sont à demeure sur le site. Mais ces personnes-là, d'une part, elles ont aussi des obligations contractuelles dont elles ne peuvent ni ne souhaitent forcément s'écarter. C'est normal parce qu'après, il y a des engagements de responsabilité différents. Et elles ont elles-mêmes besoin de s'appuyer sur des compétences qu'elles n'ont pas forcément en la personne des opérateurs désignés pour être sur le site. Et donc, on opère déjà de facto auprès des mainteneurs depuis de très nombreuses années et tous les mainteneurs, hein. D'ailleurs, il n'y a même pas de notion de mise en concurrence. Voilà. Tous les mainteneurs, peu ou prou, font déjà appel à ODC, ainsi que, donc, je vous le disais, les bureaux d'études pour d'autres missions. Donc voilà, cette offre ou ce positionnement illustré par cette offre n'entre en concurrence avec qui ou quoi que ce soit, et bien au contraire, vont jouer un rôle plutôt de dopant auprès de cet exploitant pour essayer en effet de rompre ces grands moments de solitude. Merci. Peut-être une dernière question. Quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est de prendre notre bâton de pèlerin et avec déjà l'aide de DCMAG aujourd'hui, mais de nous en faire l'écho sur le terrain. Donc la prochaine étape, c'est bien évidemment nous-mêmes de nous encadrer des bonnes ressources pour pouvoir les placer, même si c'est beaucoup plus ponctuellement que les mainteneurs, mais les placer juste au bon moment, avec le discernement, la bonne voilure, si je puis dire, pour pouvoir, parfois de manière homéopathique, parfois de manière beaucoup plus régulière, pouvoir être là exactement quand il faut et où il faut.
en rappelant quand même que l'équipe existe déjà et que tu as déjà des gens qui travaillent pour toi et pour EDC Bien et qui sûr. sont chez les clients. Bien sûr, nous avons structuré il y a 1 an et demi l'entreprise, enfin on va dire l'offre autour de types d'accompagnement qui sont différenciés grâce au fait que EDC, il ne faut jamais perdre ça de vue, moi je ne suis qu'un chef d'orchestre puisque EDC c'est un réseau d'entreprises. Hein. Aujourd'hui EDC porte une douzaine d'entreprises que l'on appelle les référents métiers, hein, on va dire une dans chacun des lots critiques et même au-delà des lots critiques. Hein, et ce sont ces référents et les salariés de ces référents, bien sûr, qui constituent nos ressources vives. Et ça nous donne une agilité, une souplesse pour monter des task force, finalement, en fonction des besoins tels qu'ils se présentent à nous. Donc, en effet, on le fait déjà et on a organisé notre structure pour pouvoir répondre soit dans des accompagnements de type formation perfectionnement, où là, on a vous le savez, un portfolio dans l'ODC Academy de formation très pratique, très apprécié, parce qu'en fait, on ne dispense pas une formation. On apporte des connaissances vis-à-vis des référentiels, des best practices, mais on prend bras dessous, on part tout de suite dans la salle, puisque les formations ont lieu in situ la plupart du temps chez notre client. On part dans la salle tout de suite, résoudre le cas pratique, le problème rencontré, qui illustrant le point de cours qui vient d'être vu. Et ça, c'est une valeur très importante. Donc, il y a ce type d'accompagnement, la formation. Puis, il y a des accompagnements de type conseil, assistance technique. Je mettrai dedans également la CFD, hein, avec l'aspect modélisation et simulation aérolique thermique, etc. Et puis, on a d'autres volets d'accompagnement qui sont beaucoup plus des entreprises de travaux. Cette fois-ci, de travaux, ça peut être donc aussi bien de l'entretien micro-dépoussiérage, plancher technique, mais aussi câblage, réorganisation, urbanisation, confinement, vous le savez bien. Donc voilà, les types d'accompagnement différenciés, aujourd'hui dans des business units elles-mêmes différenciées au sein d'ODC et appuyées sur notre réseau d'entreprises partenaires. Donc, pour conclure, messieurs et mesdames les exploitants, vous n'êtes plus seuls, mais l'accompagnement qui vous est proposé par EDC désormais va au-delà du seul catalogue des produits et services. Il va jusqu'au conseil et à l'accompagnement. Exactement, et avec l'AME, donc ODC va murmurer à l'oreille de l'exploitant. Tout simplement. Merci. Merci, Pascal. Avec plaisir.